over. The time of the orc has come. Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé et je suis avec les habituels Scorpion et Younstar. Salut. Salut. Et on va se commenter une nouvelle game de Divide and Conquer, hein, une game qui a vu s'opposer Younstar et moi-même. Alors je commande sur ma droite les armées de Dorvignon. Donc Dorvignon qui est un petit état au sud de Dale hein, sur la carte. Donc là il est Dorvignon est une faction à part entière, une très bonne faction d'ailleurs. Et Yun commande les armées de Bri. Hein. Oui, Bri dispose de ses propres troupes. Hein, donc d'ailleurs qui sont pas mal du tout. Vous allez à ne pas sous-estimer. Oui. Absolument. Donc vas-y Yun, commence avec ton armée. Hein, donc présente-nous ça. Alors pour mon armée, donc sachant ce que j'allais retrouver en face, j'ai apporté un petit peu de tout et surtout de la bonne unité anti-armure. Alors je me suis disposé sur deux corps avec mon corps d'auxiliaire d'archer. Avec deux unités de Dunedain Ranger, les excellents archers, excellents au cas, qui sont vraiment très forts. Juste derrière, pour les protéger d'une éventuelle charge de cavalerie, j'ai placé des Lumbermen, des gardes du chemin vert, ainsi que des Watchmen Axe-Guard. Trois bonnes unités, anti-cavalerie, anti-armure, ça fait un petit peu tout. Ensuite, concernant mon corps lourd, sur ma première ligne, on a encore 4 unités de Greenway Guard. C'est pas forcément les meilleures unités, mais peuvent former un mur de bouclier, ils sont vraiment très bons. Et juste à côté d'eux, il y a une autre unité d'Axe Guard Regiment. Sur ma deuxième ligne, on retrouve d'autres unités de Watchmen Sword Regiment, à côté d'eux, des Lumbermen. Et une autre unité de Axe Guard. Et enfin sur ma dernière ligne, des Dunedain Blade Master, dont une va contenir mon général. Enfin pour finir avec mes autres unités de tir, on a deux arbalétriers, c'est les Breeland Watchmen Elite, excellente unité d'arbalétriers, si ce n'est la meilleure du jeu. Ils sont vraiment très forts, bonus contre les armures, bonus anti-cavalerie, et dès qu'ils ont plus de carreaux, ils prennent des lances, ça devient quasiment une unité d'albardier over-cheatée. Elle est excellente cette unité. Je l'ai et c'est une des unités les mieux balancées de ce mode. C'est clair. Elle fait vraiment tout. Ouais. Et bon, pour finir, je me suis apporté deux unités de cavalerie, de merchant cavalerie. C'est vraiment, bon, c'est soi-disant la meilleure cavalerie de Bri, mais ils sont vraiment très mauvais comparé à ce que j'ai en face de moi. Alors on va passer à mon armée, donc une très bonne armée, bien positionnée, bien étendue, donc ça va faire mal. Alors moi j'ai amené en première ligne, hein, j'ai amené 3 Atala Rangers, donc très bonne unité d'archerie, long projectile. Comme vous pouvez voir, j'ai planté des piques au sol pour me prémunir d'une éventuelle charge de cave de Yun. Donc là j'ai un très bon corps d'archer. En deuxième ligne, j'ai les excellents Thorn Guard, donc qui sont des piquiers qui peuvent former un chiltron ou un mur de bouclier je crois. À côté, j'ai les phalangistes, donc les Avari Pigman, qui coûtent vraiment très cher, mais qui sont vraiment, vraiment redoutables, hein, qui ont quasiment tous les bonus possibles et imaginables. Ils sont protégés sur les ailes par des Avari Guard, hein, donc qui sont de simples épéistes, mais ils ont quand même le... C'est des swordsman, hein, vous pouvez voir, ils ont des épées, mais ils ont quand même le bonus de... Quasiment toutes les unités de Dorvignon ont le bonus de combat contre la cave, c'est très pratique. Alors en deuxième ligne, j'ai amené des Avari Wanderer, donc des magnifiques unités, hein, putain, regardez les détails, hein, l'unité est vraiment très belle. Donc j'ai 3 Avari Wanderer, ce sont des javeliniers, c'est de l'infanterie lourde javelinière. Donc une fois qu'ils ont lâché leur javelot, après ils peuvent aller au cac, hein, vraiment une très très bonne unité, très polyvalente. En troisième ligne, j'ai des Regent Spear Guard. Alors les Regent Spear Guard, c'est des unités qui peuvent former le Shieldron, le mur de bouclier, putain j'ai zappé. Mais c'est de l'unité anti-cave, hein. Ensuite j'ai mon unité d'élite, donc les chevaliers de la Winterkurt, vraiment infanterie lourde, à la 23-24 de défense je crois. J'ai mon général dans l'unité hein, d'ailleurs, donc c'est vraiment mon élite en réserve. Là j'ai encore des Regent of Spear Guard, et enfin en arrière-garde pour protéger contre d'éventuelles charges de cave, encore un régiment de Regent Spear Guard, donc beaucoup d'anti-cave. Et enfin j'ai amené... sur le champ de bataille, les paladins Winterkurt, grosse cave, elle coûte très cher, mais elle est à 1700 je crois, mais c'est vraiment une grosse cave élite. Et enfin, planqué dans le bois là-bas en embuscade, donc Yun ne les voit pas, merde. Hop, voilà.
Donc j'ai deux régiments qui sont fufu dans la forêt là. Donc une unité de Regent Spear Guard et encore une unité de Avary Guard. Donc un corps dissimulé dans les bois qui est pas négligeable. Donc ils vont attendre leur heure. Donc c'est parti Yoon, let's go. Alors d'entrée je crois que mes archers vont être apportés, voilà. Ouais mais les miens ne le sont pas parce que j'avais pas prévu que t'allais te déployer comme ça. Alors là les pauvres gardes du chemin vert vont essuyer des tirs. Voilà c'est parti hein, ça envoie la sauce hein. Mais je me rends compte avec du recul que j'ai vraiment pas target les bonnes cibles. J'aurais dû taper les arbalétriers les arbalétriers élites. Bah au début tu connais pas leur capacité. Voilà. c'est ça. Ah bah moi j'étais bien content que tu les target pas. Putain. C'est pour ça que je disais rien pendant la game. Alors là je commence à faire des pertes mais au final je tape les Greenway Guards, je tape des épéistes hein. Mine de rien ils sont pas excellents ces soldats là hein. Bah ouais voilà je tape de la troupe de piètre qualité. Alors que j'aurais eu meilleur compte d'aller taper de la troupe d'élite vu que j'avais l'avantage de la portée quoi. Voilà, bon, moi j'ai réaligné mon groupe auxiliaire. Voilà. Disons que t'étais pas au courant, voilà. Je fais quand même de la casse hein, je suis déjà à 2% de perte, j'ai quand même de très bons archers. Donc. Au final, c'est de la troupe qui tombe. Mais là, Yoon va avancer, voilà. Là tu vas venir avancer, tes Dunedain Rangers sont à portée. Et commence à avoiner mon aile gauche. Donc c'est quand même de très bons archers hein, les Dunedain. Ils sont même meilleurs que les. Ils sont meilleurs, mais là sur le coup, vu qu'ils étaient pas en première ligne, on peut pas véritablement le voir. Mais là pour une fois, ce qui est bien dans cette game, c'est qu'il y a un petit duel d'archer, quoi. C'est pas une grosse charge frontale. Comme on fait depuis le début. Bah, on est un combat de faction, on va dire un peu pas civilisé déjà. Donc voilà. Bon. Bon, les nains sont un peu civilisés quand même. voilà, c'est pas en matière d'archer. Il y a quand même une sacrée pute de flèche qui tombe, hein, mais on est à 4% de perte. Quand même là, déjà des cadavres. Tu bouges, t'es pas là dedans. Alors, ouais, là je vais me décider avec mes paladins à aller mettre un peu la pression sur ces archers. Donc là, je décide de déplacer ma cave gourde. Regardez, ils sont beaux tout en violet. On a l'impression qu'ils sortent d'une boîte gaie de brie. Hein. Donc là, je prends la sauce. Hein. J'ai déjà perdu une vingtaine d'Atala Ranger. Alors, je décide par pur choix de ne pas riposter à ces archers et de continuer à faire du kill dans son infanterie. Hein. Ouais, je fais du dégât, mais j'enlève des troupes qui sont de basse qualité au final. Hein. Et puis là, j'ai décidé de me placer en mur de bouclier pour. Ouais, d'ailleurs, t'aurais dû faire sauter la casse. J'aurais dû le faire plus tôt, ça d'ailleurs. Je me décide à faire avancer mon corps lourd. Donc là, j'ai ma grosse armée. Donc je cours même pas. Je temporise tranquille. Hein. C'est vrai que là, ça fait mal quoi. Tu perds déjà beaucoup de soldats dès le début, Yoon. C'est pas très joli à voir, mais bon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de cadavres hein, quand même. Ah aussi, ouais, j'ai fait très mal, hein. Je suis quand même à 8% de tués. Mais, hein. mais aucun Watchmen d'élite est mort pour le moment. Voilà, c'est que de la troupe de. Oh, il y a beaucoup de tués, putain. Ah, j'avais pas vu que j'avais fait autant de kills avec mes archers. Et c'est dans mon infanterie légère aussi, c'est. Les Greenways sont quand même un peu lourds. Comparé à mes Blade Master qui sont derrière, à la limite, eux. Alors là, j'ai mon corps lourd qui arrive, hein. Au ralenti, mais c'est quand même une sacrée armée, hein. Elle est intacte en plus. Ah, je vais me décider à avancer un peu mes archers. Voilà, là j'ai mes paladins qui sont en face et tu vas mettre ta troupe anti-cave, hein, tu vas préparer à recevoir la charge. Ouais, et d'ailleurs je crois que je vais me réaligner au niveau par rapport au pic pour que tu puisses que ce soit un peu plus limité, c'est-à-dire si tu me charges d'en haut tu peux pas repartir, voilà, et si tu me charges de face tu peux pas aller sur le côté non plus. C'est entre autres ce qui m'a dissuadé d'y aller, je pourrais pas manœuvrer à cause, ouais j'ai pas dit mais tu as planté tes pics. Je pourrais pas manœuvrer à cause de tes pics, donc je vais. Donc là, je commence à prendre la sauce avec tes archers. Hein. Tu tapes dans mes Avary Guard, tu tapes dans mes phalanges. Bah là, je tape dans ton élite pour essayer de diminuer un petit peu l'impact, parce que quand même, tu m'as fait mal. Alors, donc... j'ai avancé mes archers et tu vas en profiter avec ta cave. Donc là, je commence à taper ta cave. Hein. Je sais que la cavalerie marchande est pas vraiment la meilleure. C'est de la merde. Ouais. Voilà, donc je me décide à la target et je me dis que je vais peut-être réussir à faire quelques kills dedans avant qu'elle arrive au contact. Pendant ce temps-là, mon corps lourd, bah, je l'ai redispositionné et j'avance mes javelinés. Alors là, on va voir beaucoup d'action. Donc là, on voit au loin la cave qui vient charger dans mes Atala Rangers. Une bonne charge d'ailleurs, hein. Je prends quand même quelques pertes, mais c'est acceptable. Hein. Ouais, mais comparé à ce que peut faire une charge de cave, c'est pas grand chose. Et le plus important, c'est la pluie de javelines sur les murs de boucliers au centre. Et là, ça va tomber quand même. Hein, ça tombe énormément. Oh là là, ça tombe. Ça surtout que là, je micro-gère la perfection. Je fais attention à ce que ces singes ne chargent pas. Et je redonne l'ordre à chaque fois. Donc là, vraiment. Je veux vraiment faire très mal. Donc là-bas, on a toutes les caves qui chargent dans mes archers. Et j'ai mes paladins qui arrivent. Hein, mais j'ai mes Winter Court qui vont venir nettoyer la cave de Yoon. Mais je prends quand même de la casse.
Je continue d'avoiner avec les javelots, là je redonne mes ordres. J'essaie vraiment de micro-gérer, je veux pas aller au cac hein, parce que... Voilà, là Youn va rentabiliser sa milice marchande montée. Ouais. Ah ouais bah mine de rien, il a laminé mes attaques. Attaquer des Atala Rangers et les prendre en sandwich plutôt que c'est de clair. Faire des attaques. Ah mais ça fait toujours moins de tireurs hein. Surtout là, j'ai les paladins. Qui vont arriver au... Et là Youn étonnamment fait marcher sa... Fait trottiner sa cape. Et moi, ah ça non, c'est pas ça, c'est qu'en fait j'ai double cliqué, seulement comme mes mecs étaient déjà en train de courir, bah ils se sont remis à marcher. Donc là je sais que mes paladins au cac vont ouvrir la marchande même à 1 contre 2 hein. Et ouais, bah là-bas mais je crois que je vais retourner mes arbalétriers contre ta cave. Ah ouais bah c'est une bonne idée je pense. Ah ils vont tirer, Pépé va apprendre ce que c'est. Attends, 60. D'ailleurs là tu contrecharges avec ta cave et moi je ne charge pas. Ouais, donc là néanmoins je me fais pas de soucis, je sais que ma cave, même si elle se fait charger, elle va ouvrir la cave de Youn. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Et là, t'attaques sur les centres, sur le centre. Ah ouais, c'est parti. Donc là, j'ai formé les phalanges, j'ai formé les. Voilà, c'est voilà, phalangiste. Et là, j'ai tout repassé en formation voilà. Serrée et je contrecharge. Voilà, c'est ça. Donc là, on a le. J'ai mes Avari Pigman qui sont vraiment mes troupes d'élite qui sont en contact, des Greenway. D'autre côté, il y a des Watchmen Axgard qui se battent contre des Spearmen. Ouais, donc j'ai détaché deux unités pour aller attaquer les ici le flanc, hein, les Lumberman et les. Et les Lumberman, et j'attends ça pour faire sortir. Voilà, d'ailleurs là je sors mon corps. Ah ouais, je les vois là-haut. Ah, les petits connards là-haut. Encore que je ne vois toujours pas là pour l'instant, je sais pas où. Je sors mes unités qui étaient dissimulées dans le bois et on va venir prendre Youn dans son sandwich. Alors là par contre, tes Avari Wanderer se sont fait exploser par les archers. Oh putain. Oh là là. Alors là, sur tout le centre, on a une grosse mêlée. Hein, on a une... Ouais, c'est bien ça là. Pendant ce temps-là, ma cave est en train d'ouvrir ce qui reste de cave de Youn. J'ai pas pris beaucoup de pertes, hein. Je suis à 57. J'ai ouvert deux régiments de cave, c'est très sale. Oh, ça tire. Wow. Oh là 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 là, ça va faire mal ça. Des arbalètes sur la cave. Ah, ouais, alors là, par contre, ça bouge. Il y a pas tout qu'à tirer. J'ai perdu 5-6 cavaliers. Donc pendant ce temps, on a mon corps qui était dissimulé qui arrive au contact. Et là, je suis content de voir que Youn n'a plus de réserve hein, pour venir attaquer. Donc là, je vais pouvoir faire un bel encerclement. J'occupe le flanc de l'unité et je vais venir passer par derrière pour encercler complètement l'unité de Youn. Hein. Pendant ce temps-là, au centre, gros choc. Hein. Ah, j'ai un peu peur que t'aies pas assez de troupes au centre, Pépé. Bah, j'ai quand même de la troupe d'élite comparé à lui, donc ça, oui, mais ça tient bon, mieux. Les Greenway tiennent bien. Il y a toujours des Plane Masters qui sont pas encore engagés, donc là ça. Ah oui, il reste ton élite derrière. T'as encore une réserve de Plane Masters qui me fait peur d'ailleurs. Alors là, les arbalétriers les arbalétriers qui vont s'amuser à bout portant. Ah ouais, d'ailleurs j'ai fait une charge de cave dans le dos des Axgard. Mais là ouais, tes arbalétriers, ah là 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 ça va pas être... Ouh là là, ça recharge. Oh là là. Oh ça tire, oh mon dieu. Oh c'est sale. Ah, il y a quelques chambres qui sont tombées. Tu sens bien les 29 d'armure quand même. J'en ai perdu une dizaine, mais ouais. Ah, là, encore une salve. Cette cave, elle coûte 1700. Ouh, la salve. Ouh, putain. Ouais, et là, cette fois, j'ai pas le bouclier. Oh là 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 là. Ah, là, Youn fallait direct les accrocher au cac, les cavaliers. Hein. Alors, je les aurais explosés. J'arrive à faire une belle charge, hein. Là, faut pas chier. Ah, les Blade Masters qui sont engagés. Et ça fuit au centre et du côté de Pépé. Ah putain, lâche, revenez. Ouais, bon, les avant-garde, ils sont plus que 8, je pouvais pas leur en demander plus. Hein. L'encerclement là-haut se passe bien. Ils sont déjà bien bossés. Hein. Oh, les archers qui avoinent à bout portant tes lanciers. Ouais. Donc là, on a Youn qui est encerclé. Mais ses troupes tiennent très bien. Hein. On a vraiment un gros choc sur toute la ligne de front. Et je pense que je suis en train de le gratter à l'usure sur certains endroits. Et lui me gratte sur d'autres, quoi. Bah là déjà j'ai comblé le retard du coup. Les arbalétriers dans le dos de ta cave. Oh. Ah ouais, on est à 47-47 au niveau perte. La cave vu qu'elle est arrêtée, je la target. Ah ouais putain là je la micro gère pas. Oh là 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 là. Ah ça commence à tomber ta cave hein, et il y en a déjà presque plus hein. Elle a fait quelques belles charges quand même, donc je suis pas mécontent, elle s'est débarrassée de la cave de Youn. Encore une belle charge là, tu contrecharges avec le Greenway, ça devrait amortir un peu. Ouais, j'arrive quand même à passer une belle charge. Ouais, mais c'est que c'est pas vraiment de l'anti-cave là ce que j'ai, donc même une contrecharge n'est pas suffisante. Alors là t'envoies tes Watchmen d'élite au combat, le corps à corps. Alors là-bas on a. Ouais, alors là j'ai réussi à libérer une unité. Hein. Donc j'ai des Regent Spear Guard. Donc là je vais venir encercler les Watchmen Axe Guard de Youn. Et on va venir faire une petite charge dans le dos. Hein. Donc là je suis en train de me. Et je pense que Youn va peut-être venir contrecharger.
Non, même pas. Je crois que de là, toutes les unités sont engagées. Donc là, on a une unité d'Youn qui est encerclée. J'ai toujours ma cave qui se balade, hein, qui prend la source des arbalétriers. Les rangers de Youn n'ont plus de flèches. Non, ils ont plus de flèches là. Donc je vais les envoyer pour essayer de combler les trous. Alors je vais aller voir ça. Donc là, on a encore des charges de cave. Ouais, voilà. Donc là, tu viens encercler mes unités qui étaient en train de t'encercler. Oula, tes régènes Spearguard se prennent des méchants coups face aux brillants Watchmen d'élite. Oh là là, les Watchmen d'élite sont vraiment énormes. Hein. C'est énorme cette unité. Ah bah là, ça tient. Hein. Mais s'il y en a un que j'ai envoyé au contact, c'est parce que tous mes mecs s'étaient fait exploser par les régènes Spearguard. Ah bah t'as bien fait parce que. Ils sont en train de se faire exploser. Ce que je voulais pas, c'est qu'une unité m'en accroche deux. Voilà, charge de cave. Bah là, justement, un Green Wayguard. Ça tombe. Et putain, ma cave est en train de fondre hein, à force. Ouh là là, des Blade Master dans le dos, ça. Ouf. Ah oui, là j'ai encerclé sur le centre. Ouais, joli là, tous les Blade Master. Ah, la Tant Guard va prendre très cher. Tu m'as fait un bel encerclement sur mes Tant Guard. Alors, on fait tous les deux des beaux encerclements, puisque ici c'est Youn qui est encerclé, là-bas c'est moi qui ai encerclé Youn, mais Youn est venu briser l'encerclement avec ses Tunnel Ranger. Les Atala vont réencercler. Je viens charger dans le dos avec ma cave des Blade Master. Je viens taper des Blade Master, hein, pour essayer de faire. Oh là, d'ailleurs, c'est une petite charge bien réussie parce que j'en enlève une quinzaine. Et là, ce sont mes Atala Rangers qui viennent encercler les Blade Master qui étaient derrière les Atala. Putain, il y a des Watchmen, quelques Watchmen qui passent. Et là-bas, on a une sacrée mêlée, on a une mêlée en 1 contre 1 de Brilliant Watchmen contre des Atala. Duel de tireurs. Ah ouais, enfin un tireur et Albardier aussi. Voilà. Super tireur contre Archer, tu vois. C'est putain. Ça. Donc là, mine de rien, ma cave, elle est là depuis le début. Et elle continue de charger tranquillement dans le dos des Blade Master. Et ça va bien. Ah, et puis tes arbalétriers qui tirent encore sur la cave. Ah, je veux m'en débarrasser, c'est la seule mobilité. On voit les carreaux qui arrivent. Ouh. D'ailleurs, là, je vais venir supporter mes troupes qui sont tout là-bas, donc j'essaie de m'éloigner des arbalétriers. D'ailleurs, Youn me suit, sodomite. Ouais, sauf que je crois que je vais arrêter de te suivre pour tirer sur autre chose avec eux. J'ai un doute. Ou le dos des Atala avec la cave. Ouais, vu. Ah, celle-là elle passe et elle fait mal, je pense. Hein. Ouais. Elle pique, 86, 80. Oh là là, les Atala, les Tunéden ils tombent. Allez, c'est pas les Atala, c'est les Tunéden. Une quinzaine de Tunéden et je lâche. Je perds un paladin sur la charge, mais bon, c'est plus que acceptable, c'est un bon trade. Et là, je reviens, je viens charger encore une autre. Bah, encore des Tunédins. Et là, il y a mon général pourfendu. Alors là, ça m'a fait rager, hein, parce que j'ai 118 mecs dans l'unité et mon général est mort, tu vois. Ouais, bah là, moi, je me dis peut-être que ça va être un tournant de la bataille pour tenter de me décoincer. Ouais, surtout que là, j'ai un peu peur que mon moral prenne des coups et je vois que ça fuit pas, donc je me dis, ok, la perte du général, c'est acceptable. On a l'impression que dans ce jeu, le général va au combat directement. Le singe. Tout seul. Et de l'autre côté, les gardes d'élite sont en train de défoncer les Atala. Tu vas avoir un flanc libre, Youn. Ouais. Et surtout tes arbalétriers dans le dos. Et ça fait mal. J'ai plus que 33 Atala Rangers et face à 92 Brillant Watchmen. Les super arbalétriers phalangistes. Et t'as cave qui continue de me faire chier. Je contrecharge à chaque fois, mais y a rien qui tombe. Ma cave qui continue de faire le boulot. Hein, et elle vient appuyer les Dune Eden. Hein. Ah ouais, tu tires dans le dos des unités lourdes de PP. C'est pas con ça. Ouais, puisqu'il y a que mes Dune Eden qui tiennent ici. Moi, ce que je veux, c'est que mes Dune Eden tiennent un maximum. Pendant ce temps-là, j'avoine tout le corps. Oh là là, je vois ça. Oh là là. Ah, joli. Beau tir, putain. Ah, là, par contre, j'ai décoincé un front, ça y est. J'ai ma grosse masse de troupes qui s'est libérée. J'ai encore une sacrée force. Hein. J'ai 70 à Barry Pigman. J'ai 100 chevaliers Knight of Winterkourt. Et je viens. Là, tu m'en sers. Ouais, je viens contre-charger les Tuyéden. Et là, les Tuyéden Blade Master. Là, on a quand même un beau pâté. Hein. Donc, c'est encore une sacrée force, mine de rien, que j'ai. Hein. Il y a encore beaucoup de troupes des deux côtés. Surtout. Ouais, voilà. Donc là, j'ai des régions de Spearguard. Là, je veux venir accrocher les arbalétriers pour t'empêcher de tirer, en fait. Ouais. Donc je t'envoie, là, ça va, ça me fait pas trop chier, puisque de l'autre côté, mes arbalétriers Les arbalétriers à bout portant. Oh, ça va faire mal. Ouais. Ça va passer, ça passe. Ça passe. Tirez. Oh, ça tire, putain. Oh, la boucherie. Oh la boucherie, j'en ai perdu une dizaine. Et là, tes pauvres gens vont se faire découper par les abarres. Ouais, c'est pas grave, mon but c'est juste de les empêcher de tirer.
tirer, hein, les occuper. Parce que là, j'ai mes phalangistes qui sont de dos aux arbalétriers. Ah, ça piquerait ça. C'est pour ça que je voulais occuper les arbalétriers. Donc là, vraiment, j'ai fait un bel encerclement, mine de rien. En plus, j'ai ma cape qui continue de venir charger. Ah, les Atalaks, ils décrochent encore quelques traits. Ouais, mais Yoon décroche ses Blademaster pour venir accrocher mes Atalaks. Et je vais essayer de fuir, mais. Oh, ah, c'est pas parfait. Il y a des abrutis qui sont restés en arrière. Je viens placer une petite charge de quelques loustiques. Ah, ça fait voler des soldats. Hein. Voilà, ça fait voler quelques Blademaster, mais. J'essaie de décrocher tant que je peux mes Atalaks. Les sauver. Par contre, tes Atalaks de l'autre côté se sont fait exterminer. Ils se sont fait exterminer. Ils sont. Voilà. Et là, ce qui est bien avec cette unité, c'est que même si t'es allé au corps à corps, après t'as encore des carreaux. C'est ça, c'est affreux. Ouais. T'as toujours plein de carreaux avec cette armée, avec cette unité. Ah non, là j'ai pris cher. D'ailleurs, là, ça commence à se réduire chez Yoon. Hein. Il y a tout son centre, wavering, le moral est plus que douteux. Ouais, mais il y a mon général dans le gros corps. Tu viens encore décrocher deux unités là-haut. Ah, ça y est, ouais, donc là j'ai gagné, voilà, j'ai gagné là-bas le gros encerclement. Donc j'ai encore des renforts qui arrivent. Là, je suis plutôt confiant, hein. Je me dis, ok, là j'ai. Ah ouais, mais là, dès que les arbalétriers vont être... Oh putain. Ouais, il y a le dernier Atala Ranger là qui retient toutes mes troupes. Ah, dès qu'il voit Eclipse là, ça va. Alors je viens charger avec de la cave dans les arbalétriers. C'est pas une bonne idée vu que c'est l'anti-cave, mais idée, ouais. Je veux juste les occuper, moi. Anti-cave, anti-armure. Ah ouais, ça pique quand même, hein. Ah ouais, voilà, je vais avoir quelques pertes, mais dès qu'ils vont se retourner, ça va changer. Oh les paladins. Oh les paladins, j'en ai perdu 3, putain. Et ils sont encore là, il y en a encore deux. Alors, au centre, là, toujours la grosse mêlée, le gros encerclement. Hein. Alors là, Yoon intelligemment va repasser un tir d'arbalète à bout portant. Aïe. Je suis pas sûr que je vais pouvoir tirer. Ah non, il passera pas celui-là. Non, il passera pas. Là, justement, là, j'ai peur, moi, là. Hein. Il y a de quoi. Attends, est-ce qu'il passe pas? Non. Tirez. Ah, quelques impasses. Ah, ça tire. Non, ouais, il y a 2-3 tirs qui passent. Ah, putain, fait chier. Là, c'est accroché. Et là, de l'autre côté, il y en a. Et eh bien, de l'autre côté, ils vont pouvoir être décrochés. Ils vont être décrochés, il me reste plus qu'un aimer, ça y est. Le dernier Spearman. Alors là, par contre, je sens que t'es à Paris. Alors là, tu vas repasser en. Voilà, tu te places au centre, on a toujours la grosse mêlée. Là, je peux tirer dans le tas. Ça va faire mal. Ouh, les Avari. Voilà, ça tire, il y en a un qui a tiré. Bon, c'est bon, là, ils ont décidé à tirer, ça me va. Ouais, tu verras après. Et là, visiblement, voilà, là je décroche en. Et là, je me dis, bon, je vais aller me débarrasser de ces arbalétriers. J'envoie mon unité d'élite. J'envoie les chevaliers de Winterfourt. Ah, ils sont quand même 80. Et là, je vais me dire, bon, je vais me débarrasser de ces merdes là. Avec ma. Bon, avec la meilleure troupe de Dorvignon quand même. Hein. Bon, la méchante salle, mais ça passe au-dessus. Tu tires ouais, contre mais les. Dans les Avari. J'ai tiré contre les Avari Pikmin. Bah, ouais, regarde les Avari, ils ont perdu 20 gars. Hein. Normal, hein. Mais c'est pas grave, j'ai mes Winterfourt qui arrivent. Ils vont charger en plus. Et la cave va empêcher le tir de passer. Donc je me dis, c'est bon maintenant. Cela, je vais plus en entendre parler. Ouais. Et ta cave est morte. Eh ouais, bah ma cave elle existe plus. Alors ils ont bien bossé, mes paladins quand même. Ouais, ça c'est clair. J'ai un peu peur pour tes chevaliers quand même, Pépé. Au centre, j'ai gagné. Presque. Il reste une poignée de Blademaster. Il y a Datala qui traîne dans le dos là aussi. Là-bas, il y a toujours mon général. Là-bas, j'occupe les arbalétriers. Hein. Ça tombe doucement, mais. Bah ça tombe plus chez toi, j'ai l'impression. Bah ouais, hein, mais Spearguard, 45. Oh là, c'est 80, 45, 44. Mais bon, là, je suis confiant, hein. Je me dis, putain, il me reste plus que ces unités de tir. Je vois pas comment je vais la perdre, cette game, hein. Allez, à moi, hein. Surtout que là, bon, il te reste quoi? Il y a 10 Blademaster. J'ai encore mes Green Wayguard qui sont en formation mur de bouclier. Il y a mon général qui permet de tenir tout ça. Mais tout est encerclé, donc ça tient plus. Les chevaliers sont là, il y a quand même 4% d'écart. Et ouais, et là je me rends compte que mes 80 chevaliers ne sont plus que 45 et n'ont fait aucune perte au Brilliant Watchmen. Je suis en train de perdre un duel d'infanterie avec ma meilleure unité. Ah là, ouais. Là je m'inquiète, quoi. Ah, et puis là, d'autre côté, mes brillantes, je les ai décrochées de ton chiltron pour pouvoir aller accrocher le gros centre. Voilà. C'est ça, je me dis merde, il envoie des renforts. Là, j'ai les Atalaks qui courent après tes brillantes Watchmen. Putain, quelle merde. Et là, tu viens contrecharger dans le dos, hein. Tu vas au cac. Oh putain, la phalange, quoi. Elle est vraiment géniale, cette unité, quoi. Ouais, très très polyvalent. D'ailleurs, je viens contrecharger avec mes Avarigards. Et là, on a. Ah bah là, le général de Yoon. Ouais, pourfendu par tes pourfendu par mes phalangistes.
Mais le problème, c'est que mes chevaliers, mes paladins de Winterfell sont en train de se... Ça n'existe plus déjà. Au niveau des pertes, on est déjà à 92-95. Ah, et là, avec tes Atala Ranger, t'es malin, tu viens tirer à bout portant, flèche enflammée sur mes gars. Ouais, je me dis, j'ai encore quelques flèches, alors... Ils sont shaken, hein, mes gars. Ça va passer. Oh, il y en a qu'une qui tire. Donc là, un nouveau cac qui s'engage entre mes Atala et les Brilliant Watchmen. Pendant ce temps-là, au centre, ça tient toujours, hein. Ils sont dans le rouge. Les dernières troupes de Yoon, hein, 1 et 2. Alors là, je décroche en urgence mes phalangistes, mes Avari Pigman pour venir taper dans le dos des Brillants. Donc là, on a une belle troupe de Dorpignon hein, qui attaque. Et je me dis là, bon, putain, mes paladins sont fait ouvrir, mes Atalas sont fait ouvrir. Peut-être que mes phalangistes vont réussir à faire quelque chose, quoi. Et là, le carnage au milieu. Oh. Il y a des corps partout. Ah ouais, là, t'as tes Brillants Watchmen, Oka, qui sont plus de 29, mais qui font le boulot, hein. Les avaries se font découper. Eh ouais, les avaries ne sont plus que déjà 23 et se font ouvrir. Eh ouais, et puis au moins ce qui est bien c'est que sur le centre je suis plutôt content parce que mes mecs ils ont beau... Là ils passent du vert au rouge, ils passent du vert au jaune mais bon ils passent pas au rouge donc ça risque pas. C'est bon, ça fuit pas hein. Oh non, ça fuit pas. Oh c'est pas beau ça, franchement cette unité est abusée hein. Alors là au centre on a plus que 19 Watchmen mais qui sont en train de battre mon corps central. Non. Allez, crevez, bande de saloperies. Les avaries n'existent quasiment plus. Mes phalangistes n'existent plus. Ils sont plus que 13 et en face, il y a quasiment pas eu de perte. Ils sont toujours 65, quoi. Putain, les elfes, ils se battent bien, mais à un bout d'un moment, ils sont crevés, bien crevés quand même. Hein. Non, là, ça pue du derche. Hein. Les Brillants sont en train de tout ouvrir. Et comme il n'y a que des armures en face et que ces unités de Brillant Watchmen ont un bonus contre les armures, ils ont tout, les machins. Ils ont tout. Ils ont pas. Ils ont pas des... tout ce qui est possible. Ils ont pas des stats vraiment d'unités d'élite, mais ils ont tous les bonus. Donc bah là, on voit ils ont ouvert mes troupes d'élite quoi. Ouais. Et là, il me reste plus que 9 Avari Pigman. Il me reste 7 Regent Spearguard. Faut pas oublier qu'il y en a encore des carreaux, je pense. Oui, j'ai encore des carreaux, mais bon. Il y a même pas besoin de tirer. Hein. Au centre, il me reste 4 Regent Spearguard et 3 avaries. On est à 99-98. La bataille approche, on approche de la fin. Et là, ça y est, j'ai des unités qui fuient. Alors là, c'est encore une victoire revenez, de Yoon. Revenez, lâche. Encore une victoire de Yoon à un poil de cul, quoi. Et là, il me reste 5 avaries qui sont en train de se faire punir. les mercenaires elfes qui se font violemment baiser. Des créatures immortelles qui se font ouvrir par la populace de Brie, quoi. On a vu mieux quand même. Hein. la populace bien armée quand même. Et là, Yoon vient finaliser l'encerclement. Voici tout ce qui reste en unité. Donc une armée de probablement 4000 hommes, voire plus 5000 hommes qui se sont rencontrés au début. Voici ce qui reste. Donc, les avaries qui se battent bien. 58 Brie Watchmen. Le dernier avari se fait picoter. Avari vient de mourir. Relève-toi, nous. Ne lâche. Et là, je crois que c'est fini. J'ai perdu 98% de mon armée. Et toi, Pépé, il te reste plus rien. On est à 100% 98. Va falloir repeupler, hein, Abri. Alors, sacrée bataille, hein. Yoon Star a déployé 2975 hommes, soit quasiment 3000 hommes. J'en ai déployé 2142. Donc, 800 hommes de moins. Yoon m'a tué mon armée totalement, hein, 2810. Et j'ai tué 2810 et Yoon m'a tué 2975. Alors on va aller voir un peu les frags pour moi parce que j'ai fait beaucoup de kills, hein. C'est assez intéressant. 257, 137, 273, 178, 176, 128, 180. 365, t'es paladin. Mais paladins de Winterfell sont à 365, ce qui est énorme. Toutes ils m'ont fait chier ceux-là. Hein. À part unité d'Avarigard, toutes mes unités ont fait le boulot à fond, quoi. Et toi, Yoon, ça donne quoi chez toi? Alors, bah moi, c'est surtout mes unités de tireurs avec mes Dunedain Ranger 206 et 277. J'ai un Dunedain Blade Master à 141, un autre à 82. Et au niveau, sur la palme, ça reste quand même mes Brilliant Watchmen à 243 et 362. Wow, les
deux arbalétriers ont vraiment, vraiment fait la décision. Donc là, vous voyez, si des développeurs regardent cette vidéo, nerfez-moi cette merde. Vous voulez nerfer, putain. Ils viennent d'écraser la moitié de mon armée à eux tout seuls. Bah, moi, je les trouve pas si excellents que ça. Ils ont pas un énorme moral non plus. Hein. T'es pas convaincu, là? Bah, pas vraiment, non. Putain, mais non, c'est juste que tu les as pas target avec tes attaques. Voilà, t'aurais dû les péter. C'est vrai que ça, c'est. Parce qu'à la fin, se retrouver face à 120 gars comme ça, c'est sûr que tu peux rien faire. Ils ont quand même ouvert mes 80 paladins de Windows. Parce qu'il y a deux packs de 100. C'est une très belle. C'est une sacrée bataille, hein, putain. Ça, vraiment serré, décisif. Hein. Enfin, vraiment chouette. Chouette de cul, quoi. GG Youn, donc c'était Scorpion, Youngstar et Pépé sur le Divide and Conquer sous mode pour Sword Edge. On vous dit à ciao. Ciao.